Bonjour à tous, c'est MXP pour MXP.fr. On se retrouve donc comme d'habitude après le générique pour le déballage d'un nouveau petit paquet que j'ai reçu en provenance de chez Mobile Phone, donc qui contient plein plein d'accessoires, donc je vais vous faire le déballage en direct. A tout de suite. Donc au passage, j'espère que vous aurez noté que j'ai essayé de trouver ça un peu plus stable. En fait, j'ai fait une petite installation pour tenir l'iPhone pour que ce soit un peu plus stable. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet? Alors au départ, donc je sais pas si on voit bien, un petit support de voiture. J'en ai déjà parlé sur le blog, donc en gros c'est un support que vous pouvez poser sur le pare-brise. En fait, vous avez une ventouse ici, hop, ça se déplie et vous pouvez près l'orienter, vous posez l'iPhone là et vous pouvez orienter tout ce que vous voulez. Dedans, il y a un autre truc qui est une ventouse de secours, donc au cas où vous la cassez. Donc un petit support qui marche à la fois assez bien, qui est assez pratique, qui prend pas beaucoup de place. En deuxième accessoire, alors ça je l'ai pas mal testé et utilisé, donc c'est donc une brassière, donc en fait surtout un accessoire qui vous permet donc de glisser votre iPhone dedans et d'emporter, donc l'emporter pour aller courir. Ici, vous pouvez connecter vos écouteurs, toutes ces choses-là, faire passer les câbles entre les deux. C'est assez étanche et pratique, donc c'est. Franchement, c'est un bon accessoire, c'est solide pour ceux qui courent pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça je me souviens. Ça va avec ça, je crois. Et donc c'est un support donc, pour vous permettre de poser votre iPhone dessus. En fait, c'est un. Bon, voilà, c'est un petit support que vous posez directement en fait. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc on a d'autres accessoires, donc une housse en cuir que j'ai pas ouvert, donc vous glissez l'iPhone dedans. Typiquement, hop, je pense qu'on voit très bien, une petite housse en cuir pour l'iPhone, donc c'est l'iPhone 5e génération, donc vous pouvez glisser votre iPhone dedans, donc pour ceux qui aiment ce genre de housse. Vous avez également ici, enfin, je vais l'ouvrir, hop. C'est une petite coque de protection souple. Noir un peu brillante à l'arrière. Je me demande d'où vient voir là, comme ça. Bon, c'est pas mal, c'est pas de la grosse qualité, mais c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Deux choses. Donc, un stylo, là, hop, avec un côté bic, et l'autre côté, hop, je vais le déballer, qui permet de faire donc un stylo tactile, en fait, comme je vous ai présenté, donc un stylet, donc, pour pouvoir utiliser votre stylet sur votre iPhone ou votre iPad directement. Et le dernier accessoire, donc c'est une protection d'écran. Voilà, donc pour iPhone 5, comme on voit bien ici. Je vais faire un peu la mise au point. Clac. Donc pour iPhone 5, donc que vous pourrez mettre dessus. Donc elle protège, donc elle est invisible et elle protège contre les rayures. Voilà, c'est étonnant d'avoir mis une protection pour iPhone 5 alors que les boutons qui sont là sont pas ceux d'un iPhone. Mais bon, bref. Donc voilà un petit paquet d'accessoires qui peut être assez pratique pour tous ceux qui n'ont aucun accessoire pour iPhone, notamment le support. Donc vous pouvez retrouver le prix et toutes les infos directement sur le blog. Comme d'habitude, c'est dans la description en bas de la vidéo. Stay tuned!